Sans Robert Desnos, ma déportation n'aurait pas été la même. Effectivement, il avait, si vous voulez, je vais peut-être résumer, le Cyrano de Bergerac de la plume, si vous voulez, c'était un moral de fer. Jamais il ne se plaignait, et toujours, si vous voulez, toujours un humour intransigeant. Quand il disait un bon mot, fallait rire. Parce que si on ne riait pas, il ne vous parlait plus pendant 3 ou 4 jours. Mais il revenait toujours. Hein. Il revenait toujours. Et il ne supportait pas l'humour des autres. Mais enfin, c'était quand même. C'est vrai qu'il remontait le moral. Je me rappelle d'un dimanche après-midi, il était de bonne humeur. Il nous rassemble, on était quelques jeunes, quelques jeunes, si vous voulez, d'une vingtaine d'années, 18 ans, 18, 20 ans. Et pendant près de 2 heures, il nous a fait un cours magistral sur l'érotisme dans la littérature française. Et là, on se serait revenu à la belle époque de la Mathelem, si vous voulez, de philo. Moi, je n'étais pas philo, mais enfin, c'est ça. Et alors, quand c'est fini, on avait l'impression vraiment de ne plus avoir été en camp pendant 2 heures. Il était passionnant. Il avait cet art de raconter. Extraordinaire personnage. Ah, c'était un personnage, oui. À la première pendaison, je crois que c'était à la première pendaison à laquelle nous avions assisté, et quand on est remonté après la pendaison, je crois que c'est là qu'il m'a dit, tu vois, ou toi, nous étions 2 ou 3 à l'écouter, et il dit, vous voyez, les gars, je crois que il faut qu'on survive pour raconter, mais le plus difficile, ça va être d'être crédible. Il va falloir vraiment peser ses mots pour que nous soyons crédibles. C'est pas tout à fait comme ça qu'il l'a dit, mais enfin, c'était ses mots, c'était son souci. Témoigner, oui, mais ça, c'est incroyable, ce que nous vivons. Alors, quel mot faudra-t-il employer pour qu'on nous croie?